Maintenant, il y a le kit de désenvoûtement. Le kit désenvoûtement, donne-moi juste une partie de ce kit-là. Voilà, donne-moi une partie. Voilà, le kit désenvoûtement a été conçu, je l'ai conçu aujourd'hui. C'est pour les personnes qui ont quoi? Il y a beaucoup de produits dedans, donc tu vas partir sur un traitement de 9 jours. Les hommes te rejettent beaucoup. Tu fais souvent les rêves où tu te vois, on est en train de te peut-être enterrer, tu te vois dans une tombe, tu te vois peut-être comme si on te forçait pour t'amener quelque part, tu es dans une cage, des choses comme ça. Tu as aussi peut-être eu dans le passé, on t'a dit que voilà, tel oncle a voulu te prendre à la sorcellerie, les choses comme ça. Le kit des envoûtements, c'est pour toi. Peut-être on a commencé à travailler sur toi, tu as même déjà eu à manifester une fois. Le kit des envoûtements, c'est là, c'est pour toi. Tu prends ça, tu t'assois. 9 jours quelque part, tu travailles. Il y a les thés dedans que tu vas boire. Il y a l'autre que tu vas te purger avec. Il y a l'autre que tu vas faire le bain de fumée. Il y a l'autre que tu vas verser à la maison. Il y a l'autre que tu vas te oindre avec. Donc, il y a un nouveau produit dedans. Il y a l'autre que tu vas même déposer. Donc, il y a beaucoup. Ça, le kit, c'est là. J'ai beaucoup de personnes qui travaillent sur vous. Beaucoup de personnes ont manifesté ces derniers jours-ci. Et je me suis dit, ceux qui ne peuvent pas venir au Cameroun me voir, comment est-ce que je travaille sur vous? Donc, le kit des envoûtements va vous aider pour pouvoir vous débarrasser des serpents dans vos ventres là. Les fibromes. Beaucoup de femmes ont le fibrome dans le ventre là, c'est l'envoûtement. Vous ne savez pas ça? Beaucoup d'entre vous ont les fibromes dans le ventre. Il y a les serpents de vos familles là qui sont assis dans vos ventres. Donc, ça, c'est pour dealer avec eux. L'argent que tu touches, ça ne tu le vois jamais. Tu touches, tu ne vois pas l'argent. Tu es envoûté, ma chérie. Il y a un esprit qui est sur toi qui prend ton argent à chaque fois. Donc, c'est le kit des envoûtements là qu'il te faut. J'espère que vous avez compris. Prends ça, tu t'assois, tu fais. Tu lèches ce qu'il faut lécher. Tu bois ce qu'il faut boire. Tu te purges avec ce qu'il faut te purger. Tu te laves avec ce qu'il faut te laver. Tu fais la totale en fait. Et à la fin de tous mes produits, vous faites le salaka. À la fin de tous les produits que je vends, tu fais le salaka. C'est-à-dire, tu prends à manger, tu donnes aux gens. Biscuits, bonbons, que voilà. Comme le travail que je viens de faire, là, j'essaie ce travail. Parce que quand tu. La Bible dit que quand on exorcise quelqu'un, quand un esprit sort d'une maison. Vous ne remplissez pas la maison. Il part, il cherche 7 autres. Ils reviennent. Donc, ils reviennent 8. Au départ, il y avait un, mais il y a 8 qui reviennent. Donc, quand on ne clôture pas bien ton travail spirituel, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va encore revenir s'asseoir dedans.